Cette petite lueur qui te suit partout est un feu follet. Les héros du hall des héros ne sont pas censés se mêler des affaires des mortels, mais quand ils ont entendu dire que Sir Daniel Fortesque avait une chance de se racheter, ils ont décidé de t'aider à mieux apprécier les distances. Ils tournent autour des ennemis et t'aident à ajuster tes attaques à distance, mais il t'indiquera aussi certains objets que tu devrais examiner de plus près. Ne laisse pas de vulgaires zombies te réexpédier 6 pieds sous terre. Soigne tes blessures en marchant dans cette fontaine de jouvence. Parfois, il peut être utile de contempler la situation sous un angle différent. Pense à prendre le temps d'admirer la beauté du pays de Gallomère. Ouvre bien l'œil, et tu pourrais trouver des choses intéressantes. Tâche de ne pas l'oublier. Rien ne peut se soustraire au regard d'un ange. L'objet que voici est le calice. Il se remplit au fil de tes victoires contre tes nombreux ennemis dotés d'une âme. Remplis le calice pour t'en emparer et, ainsi auréolé de gloire, pénétrez dans le hall des héros pour y faire l'acquisition d'une nouvelle arme. Tu trouveras un calice dans chaque région de Gallomère, mais comme tu t'en doutes, ils sont tous cachés ou bien gardés. Et oui, seul un véritable héros pourra les réunir jusqu'au dernier. Le monde des vivants t'attend par-delà ces imposantes portes sépulcrales. Le maître du mausolée, qui porte le doux nom de démon vitrail, est en possession de la clé sépulcrale. Ah!
N'hésite pas à aller barboter en eau peu profonde, mais évite le grand large. J'ai bien peur que les squelettes ne souffrent d'un déficit chronique de flottaison. Fais attention, Zarok attend derrière ses portes. Le maître a rendez-vous avec le démon du mausolée, tramant les intrigues les plus immondes. Les corps oubliés ont plutôt intérêt à se faire tout petits. Bienvenue dans le Hall des Héros, là où les plus braves guerriers de tous les temps passent l'éternité, festoyant, chantant et luttant à main nue. S'ils t'estiment assez valeureux, tu peux peut-être les persuader de te donner une nouvelle arme. Rendre l'hommage qu'ils méritent aux plus grands héros de Gallomère. Tiens-toi devant leurs statues respectives et attends la révélation spirituelle. Capitaine Fortesque, c'est moi, Tim le Rusé. Comment ça se passe, la bataille? J'aimerais tant pouvoir me battre encore à vos côtés, capitaine. Mais attendez, vous pourriez prendre mon arc. La détente est ultra rapide et vous pouvez faire ricocher les flèches contre les murs pour tirer dans les coins. Je l'avais à la bataille de Gallomère après que vous êtes tombé. J'ai abattu le champion de Zarok, Lord Cardok. Un coup net dans l'œil à pas moins de 100 mètres. Bien sûr, ça n'a rien de particulièrement intelligent de tirer dans l'œil de quelqu'un, capitaine. Oh, au revoir, capitaine.